Regardez comment c'est magnifique. Si vous êtes là dans le live, vous êtes là au bon moment, les mecs. Ça a pété, les gars. Explosion dans 10 secondes. Ah, je regarde bien, les gars. Ça va être beau, les gars. Ah, la pêche, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas mal ça. Bon, alors, aujourd'hui j'ai envie de faire un truc, ok les gars. Surfaceur abrasif. Ok, ça c'est bien. Missile à charge pénétrante. Ok, d'accord, je vois. Ouais, c'est dommage. La charge pénétrante souterraine. Ok. Là, je peux tout récupérer normalement. Avec cet équipement. Donc, j'ai regardé sur. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire de la thune. Ok. Donc, j'ai regardé sur internet. Vous voyez? Oh merde. Attends. J'ai regardé sur internet. Ok. Ok, et en fait, je sais comment récupérer ce putain de diamant. Donc là, c'est un... C'est quoi? Enneigé? Glacé. On va aller là. Je sais jamais. Ok. Bon, vous voulez la pêche les gars ou quoi? Moi je mange ma morceau de saucisse là. Vous aimez les saucisses vous? Les gars, regardez sur internet. Oui, il faut voir le son. Il y a du monde. Hein. J'ai regardé sur internet, les mecs. C'est bizarre, j'ai l'impression l'écran il est plus rouge que là. Il est rouge là. Bizarre. Plus rouge que d'habitude, j'ai l'impression. C'est peut-être moi. Attendez, je fais un petit truc là avec le wifi. On désactive et on active. Ensuite on actualise. C'est comme ça qu'on mine des diamants. Oh là, c'est tellement parfait ce que j'ai fait. Regardez bien. Prenez-en de la. Oh non. Ah ça va, j'ai rechargé les drones. Oh non. Oh là là. Catastrophe. Attends, je peux avoir que 21 drones. 22 drones. Oh là là, quel cata, les gars. Je me suis encore foiré. Ça m'arrive tout le temps, c'est quoi ce bordel? Déjà, je vais... Parce que 22 drones, ça me paraît faible quand même, non? Je sais pas, genre 22. Genre, t'as 3 drones. T'es à 19. Puis des drones prospecteurs et tout. Ouais, ça peut le faire, Marc. Ça pourrait le faire. 54. 54. Bon, en fait, là, je voulais miner, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a plus de drones. On va aller là. Excuse me. Putain, à chaque fois, je me fais niquer. C'est relou. C'est relou, les gars. Vraiment. Les choses comme ça. Voilà.
Et les choses, voilà, faut pas prendre personnellement les mecs. Puis c'est relaxant un peu, non? Puis ça fait ma thune aussi, c'est pour ça que je le fais, j'avoue. Parce que là, j'ai besoin de thune pour... Ouais, chérie, ouvre-moi la porte. Bah, Hibert. Parce que moi en fait je pratique le ce qu'on appelle le harcèlement de rue en fait. Putain mais on voit rien là bordel. Attends la lumière là-haut. J'ai mis au max en plus. Tu vois le moi je pratique le harcèlement de rue mais pas que le harcèlement de rue. Le harcèlement partout en fait. Dans la rue. Non. Non, bien entendu, je rigole, hein. C'est pas du harcèlement que je fais. Bien sûr, je respecte les gens. Ils ont le choix, tu vois. Moi, voilà, je suis quelqu'un qui respecte le choix, la liberté individuelle des gens. C'est très important. On est dans une économie de marché, il n'y a pas de problème. Ah non, mais horrible cette station, on voit rien. Ah si, c'est là-bas. Tu vois, c'est un peu l'économie de marché, tu vois. C'est-à-dire, ça doit être gagnant-gagnant. Quand tu achètes quelque chose, quand tu donnes ton argent, tu veux que ce soit gagnant-gagnant. C'est ça le principe du capitalisme, tu vois. C'est le capitalisme, les gars. Capitaliste ou pas. Attends, F. C'est un peu la même chose, tu vois. Chacun a son choix, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel, chérie, là? Qu'est-ce que tu me racontes, chérie? J'ai mis les trains. Pourquoi tu me casses les guêpes? C'est la mauvaise plateforme? Ah si, c'est bon. Okay. Alors. Ce qu'on va faire, on va mettre nous allons mettre vous voyez en fait là le problème en fait les gars. Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi? Attends, mais j'ai ma soute là. Oh. Je suis censé pouvoir mettre des drones là. Foutage de gueule. Là. Équipement non, ou chantier naval? Je crois que si. Non, c'est maintenance avancée, putain. Putain. Maintenance avancée ou quoi? Ouais, c'est pour ça, je regardais l'autre jour un... Pourquoi j'en... Ah, j'en ai 112, putain. Je pensais pas. Saute au maximum de sa capacité. J'ai des missiles, des charges sismiques... Tu vois, je regardais un truc, je suis tombé par hasard sur une vidéo de... Mike Tyson. Le boxeur. Attendez, est-ce que je fais un putain de... Je mets un bouclier ou pas? Est-ce que j'ai la place déjà pour mettre un bouclier? Parce que limite, ce que je peux faire, tu vois... À la place d'un 3E, là, d'une soute à 8... Je pourrais limite... échanger, tu vois. Je vais mettre un petit bouclier, hein, par précaution. De toute façon, là, on va miner des diamants basse température. Donc je devrais avoir de la place, normalement, la soute. Un 3A. Non, je prends un truc pas cher, un 3E, ça me va, moi. C'est pas... Ou un D, à la limite. Ouais.
Ouais. Ça, en fait, ça pour éviter de se prendre trop de coups dans les couilles. Voilà, on est bien à 96 drones là. On décolle, les gars. On est bien là, on est bien. Opération de récupération. Ah, j'ai des missions là. Oula, stylé hein, le gars, il arrive comme ça là, au calme sur la plateforme 17 là. Je pourrais mettre de la musique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je vais mettre de la musique, je sais pas si ça va plaire aux gens. Bon, en tout cas, je suis content. Un bouclier, c'est toujours pas mal. Ça va me permettre d'encaisser un peu les dégâts. C'est bon, là, mon pote? Tu peux me scanner ça, là, mon pote? En fait, ce qui nous intéresse... Je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est relou ça. Attends. Bon, là ça marche normalement. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça marche pas là? Eh oh, eh oh. J'ai déjà analysé? Parce que l'autre fois j'avais analysé mais... C'est très étrange. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas, c'est bizarre. Normalement, ça apparaît dans les cibles, quoi. C'est ça que je trouve assez, assez bizarre, quoi. Merde, j'ai raté ma cible. On va faire demi-tour. On va faire demi-tour. On s'approche tout doucement. Personne, hein. On va cibler la... Je peux cibler la planète. Ah ah ah. Regardez bien là, les gars, j'ai trouvé comment faire. Je crois que celui de droite il est quand même. Il est genre jaune et noir à l'intérieur. Je sais pas trop. Attends, je vais en faire un truc. Vision nocturne, chérie. Bah, celui-là. Celui-là, là-bas, là. Il est quand même bien jaune, quoi. Je trouve. Parce que normalement, il doit être bien jaune et un peu noir à l'intérieur. Je crois. Là, il ressort quand même. Franchement, celui-là. Ouais, il est noir quand on se rapproche, là. Prospecteur activé.
Ok, y a rien. C'est un peu nul. Analyse de l'astéroïde terminée. Ah, ah, oh, 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 bah alors lui. Alors lui là. Et où? Stop, stop, stop. Ralenti, mon pote. Tu me branles, toi. Lui, c'est sûr, il en contient. C'est sûr. 100%. Programmation du drone en cours. Échec, drone prospecteur. Bromélite, foutage de gueule, hein. Monohydraté, cristaux. Attends, mais c'est nul la bromélite ou quoi? Est-ce que c'est nul? Je crois que c'est nul en plus. Il me semble que c'est nul, hein. Il me semble que ce soit nul. Ah, ça vaut cher, mais... Bah après, ça nous fait un entraînement, j'ai envie de dire. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. J'ai envie de... Attends. Je sais pas si... Hygiène liquide. Peroxyde d'hydrogène. Bon, ok, ok, on va attendre, on va. J'ai racisme, ok, on va tenter, hein. Ok, ça ressemble à une tête de taureau en fait. Les trous là. Genre comme ça par exemple. Celui-là il est bien. Voilà. C'est quoi la résistance moyenne? On va mettre une forte. Merde, je me suis gouré. Lancement du décompte avant explosion. Je me suis gouré. Attends, du coup. Ok. Celui-là. Merde. Merde, c'est un gisement. Résistance élevée. Hop. Ok. C'est où le décompte là? Je vois pas. 87 secondes. Ok. Il faut des têtes de taureau là, genre là. Combien? Faible. On va mettre une moyenne. Ok, notre tête de taureau là, faible, on va mettre une faible. Combien? 52 secondes. Et là, élevé, on va mettre une élevée là-dedans. Voilà, encore un autre. D'astéroïdes élevé, on va mettre une élevée. 35 secondes. Ah merde, on va désamorcer une. Faut qu'on désamorce une cible. Qu'est-ce qu'on prend? On sait pas laquelle. Bon, on va prendre ça. Ok. On s'est un peu foiré les mecs, hein. Je vais pas vous le cacher. J'ai essayé de désamorcer mais ça marchait pas. J'ai appuyé mais...
Je sais pas. Étrange. Bon, on envoie les drones. Les gars, au travail quoi, merde. Je suis pas assez près ou quoi? Bah les gars, vous travaillez ou quoi? Allez. Bon les mecs. Ah, ok, j'ai capté. Merde. Oh, merde, je suis con. Allez, gars. On voit rien, là, les gars. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, les gars. X. Oh. Ressourcement, quoi. Bon, moi, ça nous a entraîné, j'ai envie de dire. C'est bon, quoi, les gars. Très joli, hein. Très très joli. X. On accélère et on ralentit. Heureusement que j'ai un bouclier. Il en reste là ou quoi? On y va, hein? Non? Il reste de la bromélique là? C'est de l'autre côté. Je sais pas si ça vaut le coup, hein, pour de la putain de bromélique. Mais bon, c'était l'entraînement, on va dire. D'autres cibles ou pas? Putain de bromélite là, où est-ce que vous êtes? Je vois pas. 611 mètres. Ah, attends, mais je sais pas où ça apparaît ce truc. Là, ça me dit que c'est ciblé, mais. Ça veut dire que si je vais là, par exemple, c'est bon. Non, là, je m'en éloigne. Ça apparaît pas, en fait. Ah, voilà. Ok. On se pète des couilles, hein. Bromélite les gars, la bromélite. Je la vois plus là. Fucking bromélite. Bromélite. Elle est disparue. Putain, on voit rien avec cette buée en plus.
Au pire, je la laisse, pas grave. Ah, si elle est là. Et les drones. Donc là, par exemple, la bromélite, ça m'a apporté combien? Putain, que 30 000. C'est nul à chier. Ouais, je me casse, moi. Bon, au moins, on s'est entraîné, hein. Ah, merde. On voit plus rien, là, hein. Attends, on va juste... Hop. Au moins maintenant on sait reconnaître les trucs, ils sont vraiment différents, tu vois. Tu le vois, tu te dis ok, celui-là il est différent. Comme s'il était malade. Je suis en haut là. Il est bien ou pas? Non, non, il est pas assez bien. Oh, mais genre, ouais, c'est n'importe quoi. L'astéroïde, il a pop devant moi. On est d'accord ou pas qu'il a pop devant moi, ce connard? Pour la peine, je vais l'analyser. Enfoiré, va. Putain, mais il a pop devant moi. Mais t'es sérieux? En plus, il y a plein d'opales du vide de ces morts là, de je sais pas quoi. Il y a des diamants, peroxyde d'hydrogène. Oh là là, c'est incroyable ça. C'est incroyable ou pas? En plus, c'est un gisement enfoui de ces morts. Ok. Là, c'est marrant hein, le truc. Par contre, j'ai pas trop analysé quoi. Je suis un peu choqué quoi. Ils sont où les... Ah, mais du coup, j'ai retiré les missiles là. Attends, on va le refaire. C'est peut-être ça les astéroïdes qui ont des opales du vide. Ils pop devant toi. Missile à charge pénétrante souterraine. Je vais le mettre là, non? Comme ça? Onde pulsée, mais je l'ai mis sur le même truc. Attends, c'est quoi ce bordel? Au pire, l'onde pulsée, je la mets en deux. Ouais, je le mets en deux, voilà. Voilà qui règle le problème. Donc là, par exemple, crevasse, on s'en bat les couilles. Donc, nous, c'est les trucs comme ça qu'on veut là. Putain, cet astéroïde, il est parfait. Hein. On va se faire moultitude avec ça. Gisement de surface, on s'en fout. C'est les têtes de. Ça doit être ça là. Ça, ouais, ça doit être ça, je pense. Crevasse. Non, c'est pas ça. Ah, ça c'est les crevasses, mais c'est ça du coup. Gisement enfoui, ouais. Bah du coup on tire comme ça là. Ok. Ah, j'y arrive pas. Je peux refaire. Je sais pas pourquoi je me fais chier avec ce gisement d'ailleurs, mais... Attends, ouais. Donc c'est les yeux là, bizarre. Ça c'est une crevasse ça? Non. Ça c'est gisement de surface. Je vois pas.
Moi pas voir, moi pas voir. Y a pas les gars. Putain, mais il y avait des putains de trucs là. Merde, merde, merde. Attends, attends, il bouge trop vite cet enfoiré. Voilà ça, celui-là il est bien. Ouais, mais c'est du peroxyde, on s'en bat les couilles. Attends, cible-moi les bons trucs là. Diamant, voilà. Tu vas me cibler ça. Il faudra un moyen plus simple hein, pour. Ok, celui-là on va le réussir. Hein. Ah putain, j'arrive pas. Putain, c'est chaud. Hein. Heureusement, on a plusieurs essais. Voilà. Voilà. Allez, gars, récupérez-moi ça, les drones. Là. Qu'est-ce qui branle? Il y a des putains de diamants là. Allez! C'est quoi ce bordel? Mais récupère! J'ai plus de drone ou quoi? Merde! Ah, j'ai plus de drone, ok. Allez, collectez-moi ça! Non, mais oh! Du coup, ça me rapporte combien? 33, non? 33%? Ouvrez ah, merde. L'outil de soute. Récupérateur de cargaison déployé. Allez. 30, 35, ouais. Voilà. Ok, du coup. Par exemple ça. Crevasse, ok. Ça, c'est les crevasses. Ça, c'est les trucs de surface. Putain, c'est... On confond, là, putain. Attends, ouais, c'est un œil chelou, mais il faut le cibler à chaque fois parce que. C'est ça, hein? Ouais. Y'en a d'autres ou pas? Fragment de gisement, ok. Peroxyde, oxygène. Ok, maintenant c'est le moment pour les opales du vide, les gars. Il est où l'astéroïde là? Et du coup, j'ai pas. Attends, je vais mettre un peu dans les systèmes. Il est où mon putain d'astéroïde? Il est là. Ok. Donc là il y a plein de. Il y a plein de crevasses là. Ok. Du coup j'ai juste à prendre ça. C'est l'arme B. Donc là c'est une crevasse et résistance élevée. Du décompte avant explosion. C'est bon pas chérie. Là. Élevé. Ils ont pas fini de récupérer les drones en fait. Voilà. Il y en a d'autres. Là là là. Faible. Il y en a d'autres. Bah, il y en a d'autres, c'est bon. Bordel. 70 secondes. Pas de stress, pas de stress. C'est juste que là, je vois pas de putain de gisement là. Ça là? Ça c'est bon? Ok, résistance élevée. Ok. Merde. Ah, c'est de l'autre côté, c'est pour ça? Merde, c'est de l'autre côté. Il reste 50 secondes.
Allez, vite. Vite, vite, vite. Putain, il est de l'autre côté. Ah, lui, là. Moyenne, on va mettre une moyenne. Voilà, encore une petite faible, ce serait pas mal, là. Crevasse faible, là. Pourquoi ça pète, là? Bordel. Il reste 23 secondes. Secondes, on va mettre une petite faible là. Explosion dans 10 secondes. On se casse, on se casse, on se casse. Récupérateur de cargaison rétracté. J'ai pas eu le temps de voir. 15 fragments, ouais, c'est bien ça. Excusez-moi, je voulais voir le l'explosion, mais. J'ai eu peur de manger des astéroïdes, enfin des l'astéroïde. Bon, la prochaine fois on, bon, c'est pas mal. Je progresse, c'était mieux que la première fois. Ça a pété là, gars. Là, on va avoir besoin du surfaceur abrasif. Et là, on va se faire moult thunes, les gars. Laissez-moi vous le dire. Hein. Allez les drones là. Qu'est-ce que vous branlez? Ah voilà. Quand même. Ouais, ça va. On va se faire tellement de thunes les gars. Tellement de thunes. Faut que j'en renvoie là. On voit rien, putain. Programmation du drone en cours. Surfaceur abrasif. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas ce que je veux les gars, pas du vide. Wow, 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 wow. Ah c'est rien ça. Putain on voit rien putain avec ce givre là. Ça rend fou hein. Mais c'est quoi ces drones qui claquent super vite là? Je cible genre ça. Ok c'est de l'autre côté. Et lui, programmation du drone en cours. Il est où mon putain de truc? Il en reste ou quoi? Normalement, il en reste. Je peux pas sélectionner plusieurs trucs là, putain. C'est assez relou ça. On voit rien, bordel. Ils sont où ces putains d'opales là? Peut-être faut que je mette. Faut que je mette. De la lumière, non? Si je mets la lumière, on voit mieux ou pas? Mais ça, bon, on voit rien. Je crois que c'est un peu mieux, mais c'est pas beaucoup mieux. Hein. Ah. Ok, là il y en a là-bas. Là. Putain, c'est compliqué. Ils sont. Faut que j'aille de l'autre côté là. Les drones collecteurs en PLS. On voit rien, même avec les phares.
C'est pas facile d'être un mineur. Hein. Programmation du drone en cours. Oh merde, j'ai envoyé un. Non, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, il en reste ou pas là? Je vois pas. Putain, les phares, ils servent à rien. C'est incroyable. On voit que dalle. Faudrait vraiment un truc pour dégibrer la vitre là. Je sais pas ce qu'il faudrait mettre, mais. Comment ça? Comment ça, j'ai trop d'argent? Là. Putain, j'ai tellement. On va virer des drones, hein. Drone collecteur HS. Voilà, ça c'est fait. Faut un autre drone. Programmation du drone en cours. Je vois pas de putain de. Il est où mon astéroïde? Ah, c'est là-bas, non? Je cible les gisements là. Drone collecteur HS. Mais ils font chier là, ces putains de drones là. Attends. C'est relou. Allez, on récupère. Vous êtes sérieux là? Attends, opale du vide. Fragment de gisement. J'ai plus de drone là. Programmation du drone en cours. Allez. Là, je vois un putain une putain d'opale. Tu vas me la récupérer, mon pote. Mais c'est pas possible, là. Programmation du drone en cours. C'est quoi ces vieux drones, là? Drone collecteur HS. Drone collecteur. Opale du vide à... Programmation du drone en cours. Ça, c'est une opale, ça, non? Je vois un truc, là. Attends, si on se rapproche. Ah là. Ah non, c'est rien. Ok. Bon, bah voilà, c'est bon, quoi. Comme quoi, on voulait miner des diamants et basse température, au final. On a eu des opales, quoi. Et où, ce putain de truc, là? Tu me la ramènes, quoi. Drone collecteur HS. Mais ils sont sérieux? Programmation du drone en cours. Ces vieux drones là. Drone collecteur HS. Mais non. Programmation du drone en cours. Récupérez-moi ces opales, bande de FDP. Il n'y a plus l'opale. Il a dû la prendre, du coup. Bon, bah, c'est bon, on continue, hein. On continue. Merde. Détecteur de surf. De liaison? Non. Merde, putain, je me suis bourré. Onde pulsée, voilà. On a dit dernier astéroïde. Celui-là, il est bien, putain. Non? Je vais juste faire ça. Hein. Oh là là, incroyable. Ah non, non, non. Oh, oh. Bon.
Est-ce qu'on va résister ou pas? Moi, je vous jure, j'en fais un dernier. Hein. Je pars pas d'ici sans avoir fait un dernier putain de truc. Ah, moi, je suis comme ça, je fais les choses jusqu'au bout. Hein. Je vais achever mon vaisseau jusqu'au bout. Non, mais tant qu'on a le bouclier. Putain, si j'avais pas eu le bouclier là. Peut-être que j'aurais fait plus gaffe aussi si j'avais pas eu le bouclier. C'est vrai. Imagine, on a un astéroïde qui pop devant nous là. On aura le seum, non? Est-ce que vous aurez le seum? Bah, moi j'aurai le seum après. Je pense pas quand même. A mon avis, je suis toujours dans la bonne zone. Hein. Oh putain de merde. Je pense que je l'ai échappé de peu sûr. Ah bah voilà. Ah ouais, celui-là là. Il est grave chum. Il est grave chum celui-là. Il est un peu chum. Attends, mais chum ça veut dire moche, du coup je peux pas y employer ce terme. Je pensais que ça voulait dire bizarre, mais en fait ça veut dire moche, je pense. Mais quand on est prêt là, il est nul. C'est ça qui me perturbe. Là, tu vois, là il est nul, mais tout à l'heure quand je le voyais là avec ses reflets. Comment on en voyait un? Ah bah voilà! Je le savais bien, je le savais, parce que avec ses reflets, en fait il était jaune, je sais pas, comment dire, on sentait qu'il était différent, tu vois, on le sentait. Donc celui-là ça va être notre dernier, donc j'espère bien le réussir, ok. Je pensais que ça allait être plus difficile, putain mais je kiffe miner en fait, parce que j'aime bien, c'est difficile. C'est difficile à dire, mais genre, j'aime bien parce que c'est pas facile de trouver le bon astéroïde, tu vois. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime, voilà. C'est ça qu'on aime. Donc là, c'est les petits trucs comme ça, là. Ça, c'est un... crevasse, ok. On va essayer de pas faire de conneries. Donc là, par exemple, charge sismique, c'est ça. C'est trop facile, ça m'énerve. Lancement du décompte avant explosion. Putain, merde. Moyenne, on va mettre une forte aussi. On m'a dit de faire comme ça et après de s'adapter. Donc là, par exemple, lui là, c'est une moyenne, donc on va... Merde, on va mettre une faible. On va mettre une faible, ok. Mais je suis du bon côté là quoi. Ok. C'est bon. Et là il nous faudrait... Merde, attends, ralenti mon pote. Ça c'est une élevée, parfait. Parfait. On a géré là, on a géré hein. On va pouvoir mater, regarder l'explosion. Putain, il a une inertie ce vaisseau, mais incroyable. Vous avez kiffé les gars, vous avez kiffé, je vous le dis, on va prendre une petite place là, 1 km, normalement 1 km de distance. On ralentit. Alors prenez votre popcorn les gars, parce que s'il y a des gens dans le live, je regarde jamais s'il y a des gens dans le live. Mais là vous allez pouvoir voir une putain d'explosion les gars, alors j'espère que vous êtes prêtes. 1 km, voilà, stop. Voilà. On va même pour la beauté, on va retirer la vision nocturne. Normalement 2 km c'est bon. Regardez comment c'est magnifique. Si vous êtes là dans le live, vous êtes là au bon moment les mecs. Ça a pété les gars. Explosion dans 10 secondes. Ah, je regarde bien les gars. Ça va être beau les gars.
c'est magnifique. Ok, bon, alors, on va allumer. Vision nocturne, et mec, mais oui. Alors, tu vas me prendre les... Voilà, ça. Mais attends. On voit les collecteurs, mon pote. Manquerait plus que les pirates, ils arrivent maintenant. Ça serait drôle. Haha. Haha. Ça serait horrible. Parce que là, ça me rapporte moult thunes. Hein. Moult thunes, les mecs. Ralentis, mon pote. C'est quoi ce bordel? Ça. Ça. On est d'accord que c'est des diamants, ça. Ah, c'est bon. Ça va. Gisement de surface, ok. Juste récupérer celui-là, là. Celui-là aussi, c'est un gisement. Oh, mais ils font chier, c'est putain de drone. Hein. Je te jure, ils me rendent ouf. Ils sont made in China. Prends de la hauteur, mon pote. On va mettre à la place des charges sismiques, là. Donc c'est surfaceur abrasif. Surfaceur abrasif, les gars. Et charge sismique. Non. On va mettre drone collecteur. Voilà. Ça va être plus simple. Ça va être plus simple, les mecs. C'est où, ouais, c'est où ce putain de drone là? Mettez toute la puissance dans les moteurs, quoi. On va se faire moult de thunes, les gars. Oh, j'ai flippé un peu là. J'ai cru que j'ai mangé le truc. Putain, là, on va se faire moult de thunes là, clairement. Je sais pas pourquoi je me fais chier à utiliser le laser en fait. Parce que là regardez, on était à 6. Ok. On était à 6, ok, on est d'accord ou quoi? Et là on est déjà à 12. Putain, on a fait 6. Et encore là on commence à peine. Hein. On commence à peine. On a fait 6 en quelques minutes, quoi. Les mecs. Vous en rendez compte ou pas, les mecs? Tout à l'heure on minait des trucs et on faisait genre 3, tu vois. On en minait, enfin 1,5 quoi, enfin 1,5 c'était nul, mais 3, je sais pas si ça passe trop. Je me demande en fait, est-ce que ça vaut le coup de miner, des fois, de miner des diamants basse température avec les lasers, ou pas. Si genre t'es à 20%, je pense que ça vaut le coup, mais genre à 10-12%, je doute, tu vois. Encore 6%, je pense que ça vaut pas trop le coup, parce qu'on en a eu 1,5, c'est pas ouf quoi. Mais ouais. Bon, ils sont ce putain d'astéroïde là, il est où? Je dois reprendre ça comme cible. Fragment de gisement. Il y en a plus du coup. Je n'arrive pas à voir. Normalement ils doivent être là où je vais quoi. Balance le drone, ouais. Faut que je me rapproche de là-bas.
Parce que je sais pas où il est ce putain d'astéroïde que j'ai pété là. Est-ce que je suis en son centre? Est-ce que j'ai tout pété là? Parce que normalement... Je pense que c'est bon là, j'ai tout pété. Programmation du drone en cours. Je vais voir un peu. C'est joli ou pas? Attendez, contrôle alt. On va juste faire un truc les gars. Les gadjos là. Et les gadjos. Comme ça là. Mais ils sont pétés mes phares. Hein. Je crois que mon vaisseau, je l'ai défoncé. Hein. Je l'ai défoncé ce connard de vaisseau. Force de mal conduire. Hein. Il est à 20% les gars. Vous en rendez compte de ça? 20% les mecs. Bon, c'est bon quoi les gars? Diamant. C'est bon, on a tout miné là. Bizarre, je pensais que ça allait être plus long. Là, je suis dans un astéroïde là, on voit plus rien. Ça, c'est des putains de drones, mais je sais pas comment ils font. C'est des drones magnétiques. Hein. Bon, alors, je suis à combien, les gars? Parce que là, on va se tirer. Hein. 23, mais on va... Putain, on est pété de thunes. Et on va vendre, non? On va se faire plusieurs milliards là. Alors, fais voir un truc. Donc, commodities, voilà. Est-ce que je peux regarder l'idée ce serait de regarder en fait diamant. Si je fais ça par exemple, je clique dessus. Et là, est-ce que ça me donne l'endroit où c'est les moins chers? En fait, pour vous expliquer, je cherchais le nom de la station parce que je connais le nom du système. Mais je me rappelle plus. Du nom de la station, vous voyez. De... Oh, putain, il m'a intercepté. Pire au moment où j'ai appuyé sur J, les gars. Ça, c'est pas du bol. Il a pas pu m'intercepter, le mec. Quoi? 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 C'est quoi ce bordel? Pourquoi il me laisse pas rentrer là? Laisse-moi rentrer. Demande d'appontage rejetée. C'est pas un... Je comprends plus rien là les gars. Putain, il veut pas me laisser rentrer. Attends, c'est un bug. Je sais pas pourquoi les mecs, si vous savez. Allez. Faire intercepter par moult personnes. C'est pas possible. Ça va pas être possible. Hein. Moi je prendrai Paris, à mon avis on pourra pas se poser. Du coup je vais devoir trouver une station... grosse, j'imagine. Demande d'appontage accordée. Putain, on peut se poser. Pourquoi je pouvais pas tout à l'heure? Il m'aimait pas ou je sais pas. Plateforme 3.
où cette putain de plateforme, je vois rien. On dirait un truc de tout péter cette leur station. Franchement là ils vont me les acheter zéro mes trucs, les diamants. Bon, on voit combien ils les achètent hein. Plateforme 3. Ok, c'est parfait, c'est comme ça. Alors les gars, vous achetez combien mes diamants? Ou quelque chose, je sais pas, mes opales, j'en sais rien. Puisque... Non, vendre les gars, vendre. Je peux vendre ça, hein, la bromélite. Ils me vendent combien? 47, je pense que ça vaut le coup. Putain, ils me les vendent rien. Putain, il est 100 000 quoi, ils abusent. Les opales, 100 000. Non, il est hors de question que je leur vende. Hein. Bon, on va à la destination du coup. Continue, hein. Attends, mais là, ils me le vendent 100 000. Là-bas, ils me le vendent, ils me l'achètent 500 000. Je suis obligé d'aller là-bas, quoi. Moteur activé. Putain, mais là, j'ai fait le max, là, les gars. Tâche de gueule. Bon, vous avez intérêt à me laisser rentrer, là, sinon je suis pas content. Voilà. C'est tout simple. Merci les gars. Merci les gars. Ça c'est sympa. C'est comme ça que je vais arriver. J'espère que j'arrive dans le bon sens quand même. Où est les trains d'atterrissage? On appuie sur X. Ok, c'est dans quel sens du coup? Je vois pas. Oups. Waouh, on a failli exploser les mecs. Franchement, bravo à moi. J'ai failli me suicider là. Je me suis payé un poteau de ces morts. Attends. Juste avant, mets-moi de tout dans les systèmes là. J'ai pas envie de crever. Les systèmes, mon pote. C'est là ou pas? Non, c'est de l'autre côté. Putain, on était à 100% en plus. Heureusement que j'ai réparé à l'autre station. T'imagines si t'as rien comme ça. Ça aurait été con quand même. Alors, c'est quoi pour redescendre ces F? Allez, c'est bon là. Allez, vends-moi ça là. De la thune. On veut de la thune. C'est qui ces connards là? Compatriote James Baron là. Tu fais partie de quoi toi? De indépendant hein. Putain, il a un style. Là. J'adore son style. Alors. Tu vas me vendre. Tous ces putains d'opales là qui valent une fortune, on est d'accord, ça vaut une fortune les opales. Hein hein, putain, ça vaut rien, ça vaut que 120 000, ça vaut moins cher que l'autre truc, foutage de gueule, c'est pas les diamants. Bon, tu vas vendre le tritium, hein. Il y a eu un bug ou quoi? Normalement, je suis censé revendre ça cher, les mecs, à moins que ce soit les diamants. Je comprends pas.
Bon, ça me fait 2 millions. Non? Parce que là, ça fait genre 10. Fois 2, ça fait genre 2 millions. 2 millions quelque chose. Mais c'est bizarre parce que sur le site, il me disait que ça se vendait cher. On m'a arnaqué en fait. Ils me disent, voilà. League Gateway, voilà, ça vend 500 000. Ah, on vend genre 10. Ça fait 1 million, vas-y. Message entrant. J'en vends 10. Et puis le reste. Je vais voir si dans l'autre station ça se revend plus cher. Mais genre là je suis où là? Dans quel système? Je me disais bien que ça avait un nom russe. C'est la fédération ici ou quoi? Les gars, maintain heading and slow to approach speed, commander. Bon, ça va. Et où t'es? Il est où ton truc là? Et il est là-bas. Ils mettent des grues en plein milieu. Incroyable quand même. C'est russe. Ces Russes sont incroyables. Combien vous m'achetez de putain d'opale? Ouais, c'est ça. Alors t'es pris. Ah voilà. 400 000 là, ouais, c'est pas mal ça. Voilà, j'ai bien fait. Voilà un prix intéressant. Voilà, là c'est intéressant là. Là on parle. Et hop. 8 millions dans la poche. J'ai monté ma réputation avec eux ou pas? Je vais voir un peu. Ils m'ont rendu riche les mecs. Ouais, ça monte que dalle quoi, c'est quoi ce bordel? Alors leur mission là, me rapporte combien? À la fin 2 millions et tout. Non franchement 8 millions c'est bien quoi, on va pas... Voilà, mais en plus il me reste encore des trucs là. Je vais voir un peu. Ils les achètent combien mes diamants ici? Vas-y, je vends. Je pourrais me faire le double, mais je pourrais me faire 4 millions, mais bon. J'ai la flemme d'aller dans une autre station. Bon bah là. On a combien là? Est-ce qu'on fait voir les vaisseaux un peu qu'on peut s'acheter maintenant? On a 13 millions là. Putain, ça vaut. 76 millions, putain. 146 millions d'anaconda. Kill pack. What? Le MK4 il vaut que 400 000. Mais moi mon vaisseau il vaut combien? Fais voir ça.